1, 2, 3, 4. Ah, mais c'est quoi la promo? C'est pas une Twingo, c'est une Ferrari. T'as un costume fond vert et tu demandes, excusez-moi, t'es par où pour aller sur Mars? Pour combien tu descends, tu vas voir la personne, tu lui dis, c'est moi monsieur Larbin, à votre service. Pour combien tu demandes, elle est où la soirée Halloween? Pour deux. Oh bon, la fin de la vidéo, c'est vraiment, il y en a forcément un qui passe. Bonne soirée à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Mordanize. Et qu'est-ce qu'on va faire? Une petite vidéo en voiture. En voiture. Donc on est parti pour faire des pour combien en voiture. Pour ceux qui connaissent pas les règles, on va faire très simple. Pour combien Arnaud, je sais pas, par exemple là tu sors maintenant et tu fais le tour de la voiture et tu reviens t'asseoir. Pour 3. 3. Donc là on va faire 1, 2, 3 et dire un chiffre entre 1 et 3. Si on dit le même, il doit le faire. 1, 2, 3, 2. Ok, bon. Reverse. Donc... Alors le reverse, du coup, on divise par 2 le chiffre initial. Et s'il est impair, on fait plus 1. Ok, donc bah pour 2, du coup, 1, 2, 3, 2. Bon, moi je reviens. il vous explique la suite des règles, j'arrive. Voilà, donc après le décompte, on dit le même chiffre ou pas. Si on dit le même chiffre, on fait le défi. Et bien évidemment, des défis dans la limite. Voilà, on va pas s'amuser à faire des drifts sur la route, on va pas se mettre en danger et on fait cette vidéo. Alors, va y avoir des moments drôles, va y avoir des moments gênants, il y a des choses qui vont être dures à faire, mais c'est toujours pour vous partager un peu cette idée du croyez en vous et osez. On va tenter des choses, on n'a jamais fait de notre côté, que ce soit toi ou moi, ce concept. Et donc là, les aléas du direct, ça va être tout simplement tous les gens qu'on va croiser là au bord de la route et à qui on va pouvoir demander des choses, et avec cette caméra, on pourra les voir, etc. C'est parti, je mets le contact. Ouais, allez, on est lancé. Dans les commentaires, déjà, si jamais le concept et l'idée vous plaît du fait de faire des vidéos comme ça en voiture, n'hésitez pas à lâcher un like, voilà, ça soutient le concept. Et bien sûr, vous pouvez retrouver Mordanize sur sa chaîne YouTube. Tu peux en parler un petit peu? Je suis du coup un artiste musical, je fais de la musique électronique, voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur TikTok aussi. On vient de s'arrêter, il y a une personne devant nous, pour combien? On va à côté d'elle et du coup, tu lui demandes où est l'Intermarché, parce qu'il y a un Intermarché à côté de nous. Et c'est-à-dire que par exemple, si elle dit « il est derrière vous », tu dis, il est derrière vous, ok, merci beaucoup, tu vois, enfin, tu répètes à chaque fois sa phrase avant de poser une autre question ou de la remercier, etc. Ok, ça marche. Pour combien? Ok. Pour, allez, 5. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Allez, le premier pour combien, je lui baisse la vie. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Où est-ce qu'on peut trouver l'Intermarché? L'Intermarché, pas de souci. Vous allez en arrière. Et vous repassez sous le pont et vous partez complètement à gauche. Complètement à gauche. Et à gauche, vous faites 500 mètres à peu près, il est sur votre droite. On fait 500 mètres. Ok, okay, super. Merci. Sur notre droite. Merci beaucoup. Ok, super, merci. Oh là là, je t'en ai trop bien sorti. Oh là là, putain, moi je me suis dit, oh là là, il va devoir répéter, en plus elle est au téléphone, etc. Mais en vrai, t'as géré. Bon, on va faire demi-tour comme si on l'avait écouté. Et on va reprendre une autre direction. Le premier qui a été validé. Oh là là, le 4. Pas trop stressant? Si, un peu. Ouais. Un peu. Changement. Coupe. Oh putain, le montage en post-prod. Et un monsieur, tu veux pas tenter un truc avec lui? Non, j'avais autre chose en tête. Ok, bon, moi je vais tenter. Pour combien tu lui demandes où il va, tout simplement? 4. 4? Ouais. Ok. 1, 2, 3, 1. 4. Putain. Reverse? Ouais. Donc en 2? Ouais. 1, 2, 3, 2. Putain, je me refais avoir. C'est gênant comme question. Excusez-moi, vous allez où? Vous allez vers où? Ça s'appelle pour le métro. Ah oui, le métro. Parce que là, il y a une ligne de bus qui amène au métro, c'est ça? Ok, d'accord. Merci pour l'information. Merci beaucoup. Vite, on s'en va. Le gars, il a dû se dire, c'est lunaire. En fait, il avait un casque. Et tu vois, il vivait vraiment sa petite vie tranquille et il se dit, attends, il y a deux gens, ils sont en voiture. Il me dit, je vais prendre le bus, on prend le métro. Eux, ils ont pas besoin de métro, mais c'est pas grave. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. T'as une idée avec lui? Ouais, j'ai une idée. Putain, c'est quoi? Alors déjà, les gens, et hey, toi, est-ce que vous avez vu Rick et Morty? Non, mais je connais un peu les refs. Alors j'en avais un, du coup. Pour combien tu descends, tu vas voir la personne, tu lui dis, c'est moi, monsieur Larbin, à votre service. Et du coup, la personne va te demander quelque chose et tu devras faire ce que la personne te demande. Il est hard. 6. Pour 6. Pour 6. Ouais, tu prends pas de risque. Attends, on est au début. Je suis à 100% d'échec. J'aimerais bien une petite victoire. Pour le moment, j'ai 100% répondu tes chiffres quand je devais perdre. 1, 2, 3, 5. Reverse. Ah putain, du coup, en 3. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 2. Yes. On le laisse tranquille, ce monsieur. On repart. On s'en va. Il sera pas victime de nos pranks. Non. Oh là là, ça aurait pu, ça aurait pu. En plus, il aurait pas connu Rick et Morty, c'est dommage. Savoir qu'on est dans une Ferrari. Ouais, une Ferrari, pourquoi?
Parce qu'elle est rouge. C'est tout. C'est tout simple. Comme son pull. Enfin, tout est rouge. Tout est rouge, de toute façon. Téléphone, rouge. Pull, rouge. Voiture, rouge. Là, il va voir les caméras, il va se dire. Il regarde les caméras et il est. Il y a une personne qui fait du stop. On va tenter de la prendre. Attendez, on va demander. Bonjour. Vous allez où? C'est où? D'accord, ah bah allez-y, on vous prend. Hop. Je vais monter derrière. Hop là. Vas-y. Ah oui, y a pas de souci. On était en train de tourner une vidéo, comme vous voyez. Ah bon? Ça vous gêne d'y figurer ou pas de souci? Oui. Pas de souci? Non. Oh bah avec grand plaisir. Vous vous appelez comment? Corinne. Eh ben bonjour Corinne. Bonjour, Corinne. Il y a un jeune homme qui m'oppresse. Comment? Un gentil garçon qui m'oppresse pas. Ah, ils sont contents. Est-ce que vous pouvez leur dire de liker la vidéo et de s'abonner? C'est quoi s'abonner? S'abonner, c'est qui suivent la chaîne et qui viennent des, qui, pour augmenter la communauté. Ah oui, oui. Like oui. Et abonne-toi. Oui. Ouais. Pas de soucis. Du coup, place François Mitterrand, c'est vers où? C'est un peu plus loin, c'est, tout droit. C'est juste, on sait qu'à Taou, là, le Tara. Ah, où il y a le cocorico et tout? Voilà. Ah, je vois. Les bacs et tout ça. Pas de soucis. C'est bon réveillon. Ben oui, bon réveillon, super. Toi oui. Et vous, vous avez passé un bon réveillon? Tranquille, tranquille. Allez, collègue. Ah, voilà. Quelle résolution, Corinne, pour 2023? Mieux, parce que j'ai des problèmes de santé. Donc que la santé, ça aille. Voilà, la santé, ça aille. C'est le plus important. De santé. C'est ici qu'il faut tourner ou plus loin? Oui, voilà, on est là, c'est bon. Moi, je tourne ici, comme ça, et ça sera nickel. Hop. Tourne à gauche. Tac. Et voilà. Et merci. Vous êtes arrivé à destination. Avec plaisir, Corinne. 5 étoiles pour le BlaBlaCar. 5 étoiles. Ah, nickel. Merci, bonne journée. Soucis. Bonne année à tous. Incroyable Corinne. Incroyable. Incroyable, trop cool, trop gentil. Vraiment, rien à redire. Est-ce que vous avez apprécié Corinne? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Nous, très cool en vrai. Ouais. Très cool. On l'a pas eu longtemps en voiture, assez, mais. Pas assez longtemps. Ouais. Oh là là. Il faut retrouver Corinne. On aurait dû lui faire faire un pour combien? Ouais. Tu sais, le temps qu'on lui explique les règles et tout. Alors, 1, 2, 3, vous me reposez là-bas. Ouais. Oh non. On a vu une personne qui a un chien. On a tous les deux une idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun le pour combien, mais sans reverse, tu vois. Comme ça, peut-être on va faire les deux, peut-être on va en faire aucun, peut-être on va en faire quatre. Et si on se le dit en combien? 3, 4. Allez, 4. 4. Ça marche, on va faire tous les deux un pour combien en 4 avec la personne qui a un chien. Je m'arrête juste ici le temps vite fait. Que tu baisses ta vitre et que tu fasses. Oh le kiki, le kiki, le kiki. Oh il est mignon, le kiki, le kiki. Oh il est mignon. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Moi, ce que je voulais te faire, c'est que tu lui demandes comment il s'appelle son chien et le nombre de voyelles qu'il y a dans le nom du chien. C'est le nombre de tours de voiture que tu fais. Juste, tu lui demandes le nom de son chien, ouais. Elle te répond, tu comptes et tu tournes et tu te rassois sans raison, sans contexte. D'accord. Ok, ok. Ok. On commence par toi. Ouais. Okay. Donc si on dit pareil, c'est moi qui perds. Là, oui. Ok. 1, 2, 3, 4. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 1. Ok. Est-ce que tu veux qu'on le refasse? Vas-y, on le refait. On le refait. 1, 2, 3, 3. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 4. Ah. On va pas y arriver sur celui-là. Une dernière, jamais 203. Allez, jamais 203. 1, 2, 3, 4. Déjà, je suis sauvé pour le chien. Je vais t'avoir. 1, 2, 3, 4. Ah, mais c'est quoi la promo? Le chien est tranquille. Oh non, je suis dégoûté. Oh là là là, putain, on était pas loin. Oula, 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 oula. Je vous avais dit que c'était une Ferrari. Vous vouliez pas me croire. Vous vouliez pas me croire. Bah, ça paye la YouTube monnaie. Hein. Bordanaï? Oui. Oh putain. J'ai préenregistré un son dans ce mégaphone. Mais non. Un son de 24 secondes. Non. Pour combien tu ouvres la fenêtre, tu mets le mégaphone comme ça et tu penches ta tête juste pour leur faire profiter, tu vois. Et on le fera quand on sera sur le parking, qu'il y a plus de probabilité qu'il y ait des gens qui entendent. Pour combien? Pour combien? Sachant que c'est pas le son qu'il y a dedans. Allez pour 5. Oh. Tu vas prendre cher au reverse. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 4. En 3 du coup, c'est ça? Ouais, 3. J'ai peur. 1, 2, 3. Oh non. On retente? Ouais, on retente. On le refait. Cette fois, on inverse. C'est moi en 5 et toi en 3. Ok, vas-y, let's go. Donc c'est toi en 5.
Ouais, donc là c'est moi qui commence en 5, ce qui veut dire que si jamais t'as le même que moi, ça termine direct. 1, 2, 3, 4. Oh putain, on inverse à chaque fois en plus. Et là, en 3, là je vais t'avoir, je sais ce que tu vas dire. Je sais, c'est bon. 1, 2, 3. Non, j'hésitais. Faut pas hésiter. Du coup, bon pour combien? Ouais. Tu vas diffuser une musique bien particulière, bien forte, genre à fond. Ok. On met le volume. De mon choix? À fond. Non. Non. Baby Shark. Oh non. Bien ridicule, voilà. Ouais, bien le truc où tu rentres bien dans la tête. Ça fait pas bonhomme, ça, tu vois. C'est... Avec la Ferrari et tout ça. Ah, mais là, la Ferrari rouge, ils vont faire. Ça va pas ensemble. Du coup, tu mets Baby Shark à fond, fenêtre ouverte. Toute la musique. Hein. Toute la musique. Ah, toute la musique. Sauf que si je dis reverse, ça m'implique aussi. Ouais. Donc vas-y, pour équilibrer, on fait le reverse et genre tu l'as juste une petite courée de 10 secondes à côté et tu peux remonter dans la voiture le reste de la musique. Donc ok, c'est le reverse qui est pour moi, du coup je lâche une courée. Ouais, okay. Tu lâches une petite courée de 10 secondes mais on laisse la musique quand même 3 minutes. Ça marche, ça va. Du coup pour combien, ouais, là je mets Baby Shark à fond. 2. Pour 2. Parce que comme ça je vais devoir faire la courée si tu loupes. Ah là je veux la courée. Tu m'as vendu du rêve. On est d'accord que... Si on dit le même chiffre, il n'y a que la musique. Ouais, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Et... Donc pour toi, pour que tu t'en sortes, il faut qu'on dise la même chose. Allez. 1, 2, 3, 2. Yes. Putain, non. Il va nous lâcher la petite choré de Baby Shark. Allez, je te le mets tout de suite là. Prépare-toi. Comme vous vous en doutez, la musique Baby Shark est copyright. Du coup, bah, Baby Shark, toulou, toulou, toutou. Baby Shark, toulou, toulou, toutou. Baby Shark, toulou, toulou, toutou. Baby Shark. Oh là là, défi validé pour Murdernize. Je sais pas si on verra quelque chose, mais il y a une voiture qui nous a carrément contourné. On était pas sur la route, mais un petit peu, mais... Oh là là, la petite courée. J'espère qu'ils ont kiffé. J'espère. T'as kiffé? Un peu dur, ça va? Vivant? Notez ma courée sur 10. On veut une note sur 10 dans les commentaires de la courée de Murdernize. Eh, au fait, il y a deux caméras. Coupe. Il y en a qui va s'éclater au montage. Hein. Le monteur, franchement, je sais pas qui c'est, mais. Ah là là, trop drôle. Allo Lucas? Ouais. Ouais, allo? Ouais. Mec, t'as du boulot. Hein. Oh merde. Ah, c'est pas 10-15 heures de montage là, c'est 35 au moins. Putain, mais il faut que la vidéo elle sorte dimanche là. Bah oui, mais bon. Voilà, faut travailler là. Ok, je me mets au chômage, je me mets au boulot. Ok, je bosse. C'est bon, il est chaud. Il est chaud? Ouais. Ah bah nickel, ça me va. Oh la voiture? Non. Il y a une voiture qui arrive. Attendez, on va aller la voir. C'est quoi? C'est... On peut pas y aller ici? Si. Si, c'est quoi? On peut pas ici. Vas-y. C'est une... Vas-y, on dira qu'on s'est perdu. Faut qu'on vous montre un truc. Là, on la voit bien. Ouais, là, on la voit bien. Oh là là. Elle est en Y. La voiture, c'est pas ce qui lui arrive. Putain, le toit est démonté. Mais c'est retourné, c'est un accident, c'est pas possible. Mais comment elle est arrivée là? Mais je sais pas. Pareil, celle qui est à côté, d'ailleurs, elle est complètement démontée. Hein. On attend de savoir dans l'espace commentaire, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des voitures qui sont autant démontées? Pourtant, on est dans un endroit, c'est même pas une casse. Bah ouais, c'est... Genre, ça doit être une salle. Ah, il y a peut-être une caserne de pompiers derrière. Ouais. En tout cas, la voiture... On dirait une salle des fêtes. Sale état. Nyon. À fond les ballons. Il croit qu'il va aussi vite que ma Ferrari. Pouf. Est-ce que tu peux jouer avec la voiture qui fait? C'est quoi ça? La Macum. On dirait un espèce de bateau. Une sorte de pizza en forme de bateau. Ouais, original. Dites-nous si vous savez ce que c'est, un Lamacum. Lamacum, ouais. Lamacum, voilà. Lamacum. Ça s'écrit Lahmacum. Bon, c'est pour le menteur, Lucas. Ah super, tu rajoutes du boulot, c'est gentil. Pour combien, si on croise quelqu'un, genre tu frimes de ta bagnole? Genre vraiment, tu lui dis, vous avez vu ma Ferrari, comment elle est belle et tout? En plus, j'ai un V12, vous voulez entendre et tout? Maman! Tu vois, genre, vraiment, tu frimes avec ta bagnole. Et du coup, si on fait le reverse, on échange de place, c'est toi qui te mets en conducteur et qui le fait avec quelqu'un. Ouais. Ok, mais ok, let's go. Monsieur? Combien du coup? En 2. Non, t'as pas le droit. Quoi? Tu proposes des idées? Il faut les assumer à un moment. Moi, j'ai pas peur de trimer avec ma Ferrari. Je sais que c'est une Ferrari. Toi, t'en doutes? Mais non, j'en doute pas. Ah bah voilà. Oh là là. Là, il y en a une dame en plus pour trimer. Quand on va dire le même chiffre, je vais regretter.
Mais c'est pas grave. On dit, vous aimez bien ma voiture? Ferrari V12. Ferrari V12, bam bam. Vous y croyez pas? Ok. Allez. 1, 2, 3, 2. Yes! Alors, t'es prêt à friver avec ma féfé? Mais vas-y, je te laisse la place. T'as la confiance. Hein, t'as la confiance. Et là, tourner la cam. Ah, tout est prêt là, tout est prêt. Moi, on me voit sur la deuxième là. Coucou. Voilà. Encore du montage pour le montage. Vas-y. Ah, lui, il va être drôle. Il a un t-shirt Space Fox. Excusez-moi. Bonjour. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous appréciez cette belle voiture? C'est pas une Twingo, c'est une Ferrari. Bah mais oui, c'est une Ferrari. Ferrari. Il y a même le moteur. C'est un V12. Petit V12. Incroyable. Elle est flattée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour elle. Passez une bonne journée. J'étais tellement hype que je me suis rajouté dans le gage à lui vendre le truc en mode mais c'est une V12 mec, pourquoi tu l'aimes pas? Bah non, c'est une Ferrari. Le gars, on lui a dit premier degré, c'est une Ferrari, il a dit d'accord. On va partir de ce parking par contre. Ah ouais, il porte trop malchance. Tu veux pas un petit dernier? Non. Ok, on va partir alors. Bon bah voilà, on passe à côté de la police, on s'est dit ça peut faire une petite idée de miniature, donc on verra si on le garde pour la miniature. En attendant, voilà. Tu veux pas les attendre et frimer avec ta bagnole? Ouais, je vais leur faire. Hey, regarde, gros V12 et tout. Oh là là. Allez, on s'en va. Il y a quelqu'un qui est devant nous. Pour combien tu passes la tête par la fenêtre et lui fais excusez-moi, c'est vous qu'on doit prendre un BlaBlaCar ou pas? C'est tranquille. Mais quand même, faut interagir, l'embêter dans son quotidien. Deux. C'est ça. En fait, on veut faire 100% des gages. La question, c'est est-ce que, vu que tu sais que je dis que 2, tu vas dire 2 ou est-ce que je vais changer, je vais dire 1 et tu vas dire 1? Mais non, mais c'est la psychologie inversée, réinversée du réinversé. Du coup, faut que je reste sur 2. Je sais pas, moi. On va voir, t'es prêt? 1, 2, 3, 2. Putain, mais. What a brain! Oh non! Oh mais non! C'est toi qui le fais, du coup. Regardez! Il s'en va! Il s'en va! Il s'en va! Il est devant nous! Oh, il est parti! On l'a loupé! Et t'es sauvé, du coup. Ah oui? Je croyais que j'avais. Prochaine personne qu'on voit et on fait la chose la plus impertinente du monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche en plein milieu d'une rue, tu t'arrêtes. Qu'il y ait quelqu'un derrière ou pas, tu mets des warnings, tu m'en branles. Je m'en fous. Ah oui, tu mets vraiment warnings, tu fais chier. Genre tout elle. Le monde. Genre elle, ouais, tu le demandes. Excusez-moi, c'est pas vous pour le BlaBlaCar? Pardon? C'est pas vous qu'on doit prendre après en BlaBlaCar? Ah non, pas du tout. Ok, d'accord, merci. Désolé. Merci, au revoir. En vrai, je remarque un truc quand même, les gens dans la globalité sont bienveillants. Et vraiment super cool. Ça m'a choqué tout à l'heure, le mec il a vraiment répondu premier degré où il allait. Genre. Ah le gars en bus? Bah oui, moi, ouais. Moi quelqu'un vient me demander où je vais, tu vois. Mais qu'est-ce que tu. Bah pourquoi? Mais je pense qu'en fait la question est tellement bizarre, genre tu t'attends pas à que quelqu'un te demande où tu vas quand il est en voiture et que toi t'es en bus, que tu te dis. Enfin tu réponds premier degré parce que tu vois t'es choqué de la question, tu vois. Tu te dis. Attends, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. Ça se trouve le mec il s'attendait à ce qu'on lui dise viens on t'emmène. Ah oui, on l'avance. C'est pour ça qu'il nous a répondu et nous on s'est barré comme des voleurs. Non, on prenait vraiment juste l'info. Genre, merci. Merci, au revoir. Je peux ouvrir les yeux. C'est un costume fond vert. Et pour combien t'enfiles juste les bras et la tête et tu demandes, excusez-moi, c'est par où pour aller sur Mars? Je vais mourir de honte après ça. D'un autre côté, tu vois, c'est facile, c'est juste t'enfiles la tête, t'enfiles les mains et tu demandes, excusez-moi, c'est par où pour aller sur Mars? Ok, pour 5. 5? Ouais. 1, 2, 3, 5. Reverse. Sur 3. Sur 3. 1, 2, 3, 3. Oh putain, c'est celui que je voulais. Oh là là. On le retente ou on le laisse pour une prochaine vidéo? Non, on le laisse pour une prochaine vidéo. Likez et commentez voilà. Si vous voulez ça pour la prochaine vidéo. Si on atteint les 100 likes sur cette vidéo, on refera bien évidemment un épisode 2. Et cette fois, ce gage avec ce costume fond vert. De qualité en plus. Ah ouais, de qualité. Il y a les doigts et tout. Il y a tout. On le fera dans l'épisode 2 quoi qu'il arrive. On fera un pour combien en 2, mais c'est sûr que ça arrivera. Allez Lucas, le monteur, hein, je m'adresse au monteur. Hein. Ah ouais? Je mets une petite galaxie là sur moi. Voilà, la galaxie. Super, merci pour lui. Il va aimer le montage en post-prod, ça lui fait plaisir. Bon, moi j'en ai un. La prochaine fois qu'on arrive à s'arrêter, donc un feu rouge ou des travaux, un truc, peu importe. D'accord. Tu sors de la voiture, tu fais la ballerine en faisant un tour de la voiture complet. Un peu comme j'ai fait au tout début de la vidéo, mais cette fois, les mains au-dessus,
à fond dans le rôle. Exactement. Danseur professionnel. Danseuse. Danseuse professionnelle. Un tutu et tout. Il est où le tutu? J'ai pas le tutu. Oh ah, merde. Donc pour combien? Pour qu'il y ait de l'enjeu, qu'on arrête un peu le côté en deux pour être sûr que quelqu'un le fasse, je vais dire en... Bah comme t'as dit tout à l'heure, en 5. En 5. 1, 2, 3, 4. Ouf. Reverse. Putain. En 3. Est-ce que t'es prêt à me lâcher ta meilleure ballerine après mais avoir lâché ta meilleure danser, moi. En 3. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Yes. J'ai fait exprès d'insister, j'ai fait en 3. Et je t'ai regardé en disant vas-y, pitié que ça joue sur l'inconscient et tout. Il va nous lâcher sa meilleure choré de ballerine. Vous avez de la chance. Je fais ça pour ta commu. Ah là là, mais ils te sont reconnaissants à... À 10 000%. Je vais trouver un petit endroit sympa pour t'arrêter. Je sais pas danser. Je sais pas, c'était ton idée, tu dois avoir quelques bases. Non, zéro base. Quelques bases, t'as pas zéro. Des cours au collège de danse par hasard? Ah, il y a un feu rouge. Ah bah voilà. Oh là là, en plus il y a une personne qui passe en poussette et tout. C'est parti, le meilleur tour de ballerine. Je vais tourner la caméra quand il va passer devant. Oh, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Putain! Ah, je suis mort! J'ai retourné la caméra, du coup ils t'ont vu en 4K de face! Ils m'ont vu! Les gens qui me regardaient bizarre! Comme quoi, croyez en vous oser et le ridicule ne tue pas, entendre des choses! Ah, le ridicule ne tue pas! Oh là là! Je t'ai même pas vu toi, enfin, je regardais dans le retour et j'ai vu l'extension dans le retour caméra et je me suis dit, oh mon dieu, c'est parfait! Les gens pour la vidéo, ils voient tout. J'avais le casse-noisette dans la tête. Ouvre les yeux. Pour combien tu demandes, elle est où la soirée Halloween? Excellent, excellent. Pour combien? Pour est-ce... deux. Oh, vraiment, la fin de la vidéo, c'est vraiment. Il y en a forcément un qui passe. 1, 2, 3, 1. Yes! Oh, j'ai trop de chance sur la fin de vidéo, c'est incroyable! Je suis beau. Maxi beau gosse. Maxi beau gosse. Je prenne une voix de tueur, non? Non, tu peux prendre une voix normale, ou soit tu prends une voix contrairement. Tu vois, excusez-moi. Vous savez, voilà, c'est Halloween. C'est bon, on a quelqu'un. Attention, c'est parti. Excusez-moi. Où elle est où la soirée Halloween? Ah. Dommage. Il y en a pas. La team tellement premier degré. Mais il y en a pas, voyons. Les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Je remercie encore une fois Mordenaïs d'avoir participé. Vous avez sa chaîne YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller la checker et n'hésitez pas à aller aussi vous abonner à sa chaîne. Ouais, venez. Follow. T'as aimé le concept là? Ça ouais, t'a carrément, vu carrément. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur? Franchement, c'est de se lancer, genre, c'est, ouais. C'est compliqué. Mais une fois mis sur le fait, t'as plus le choix, tu réfléchis plus, tu passes en mode, je fais le truc. Et puis, ouais, voilà. Je tente et on verra bien ce que ça donne. Ouais. Et t'es roleplay à fond. Ouais, mais je pense que c'est exactement pareil que toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce genre de situation quotidien, tu te dis, putain, est-ce que je vais tenter, est-ce que je vais le faire? Et là, t'as un peu l'obligation de le faire, c'est et ça. Du coup, tu le fais. Et je te rends compte qu'au final, c'est pas si grave. Les gens, on les recroisera jamais. La personne, peut-être on l'invitera à Halloween l'année prochaine. Et grosse dédicace à Corinne. Grosse dédicace à Corinne, ouais. Super sympa. Bonne année, Corinne. Et du coup, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche prochain à 11h. Et, dimanche prochain à 11h. On sent que c'est la fin, ça fait 1h30 qu'on tourne là. Et du coup, on va finir avec la phrase de fin, la citation. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. Et Mordenaïs.